Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. On s'en sert ou bien on le perd. Mis à notre disposition dès la naissance, il nous permet d'accroître nos capacités, de nous individualiser et de devenir membre de la société. Il ressemble trait pour trait à une noix, se divisant en deux hémisphères, il s'agit de notre cerveau. C'est l'organe le mieux protégé de notre corps. Il pèse environ 1,3 kg et baigne dans le liquide céphalo-rachidien. Les méninges sont les trois enveloppes qui recouvrent le cerveau, formées de deux hémisphères, droit et gauche, qui se rejoignent par un réseau de fibres appelé corps calleux, puis le cervelet, une sorte de petit cerveau archaïque présent à sa base qui est responsable de l'équilibre. Notre cerveau se nourrit principalement de glucose et parce qu'il est très vascularisé, il a besoin d'énormément d'oxygène. Chaque hémisphère cérébral est formé du lobe frontal, qui est le lieu du raisonnement, fonction du langage, coordination motrice volontaire, du lobe pariétal, siège de la conscience du corps et de l'espace environnant, du lobe occipital, permettant l'intégration des messages, et du lobe temporal, centre de l'audition, de la mémoire et des émotions. Quelle merveilleuse et mystérieuse machinerie vivante, mais comme dit précédemment, on s'en sert ou on le perd. Comme tous nos muscles, le cerveau a besoin d'être stimulé pour conserver sa dynamique et sa santé. De nos jours, comment le distrait-on et comment l'aide-t-on à s'améliorer? Le premier constat est que l'évolution de la technologie a progressivement supprimé de nombreuses activités bienfaisantes pour notre cerveau. En nous enlevant la complexité qui nous entoure et nous soulageant de toute activité contraignante, l'innovation affaiblit nos petits neurones, laissant disparaître les connexions que nous utilisions lorsque nous n'avions pas le choix. Comme le confort a modifié peu à peu nos corps et nos capacités physiques, les technologies numériques procèdent de la même manière en supprimant progressivement les tâches qui auparavant étaient attribuées à notre cerveau pour les remplacer par des algorithmes toujours plus ingénieux. Du coup, difficile de stimuler son cerveau sans être transporté par quelque chose de préconçu par la société. Le numérique, les médias, tout semble être tronqué, bref, surprenant, choquant, rapide, quotidien, au point que nos cerveaux s'habituent à ces actualités. Les grèves, les menaces extérieures, le climat, l'emploi, beaucoup de sujets à traiter en très peu de temps. Nous savons qu'une nourriture de mauvaise qualité absorbée rapidement est indigeste et joue sur nos humeurs. Notre cerveau n'a ni le temps d'approfondir, ni le temps de se préoccuper d'un sujet, il est saturé d'informations. Il se nourrit de ce qu'il trouve, aussi lui apporter un complément alimentaire est nécessaire quand le menu n'est pas équilibré, voire nocif pour la santé. Tout d'abord, le cerveau a besoin de repos, de se retrouver seul avec lui-même pour permettre une mise à jour émotionnelle et intégrer la rationalité nécessaire à toute information. Une fois cette pause cérébrale effectuée, prenez un livre, un magazine, une EBD et nourrissez-le. Celui qui ne lit pas passe à côté de bienfaits énormes pour son cerveau. Quand je dis lire, il s'agit de s'engager dans un ouvrage du début à la fin qui attire votre intérêt et qui vous plonge dans la lecture au moins 10 minutes. Accordez-vous cette pause. Grâce aux neurosciences et à l'imagerie cérébrale, les découvertes sur le fonctionnement du cerveau nous permettent d'affirmer que la lecture est bénéfique à plusieurs titres. Lorsque nous apprécions un bouquin, le temps ne semble plus exister pendant que notre cerveau, lui, se gorge d'images et de dialogues. Certains peuvent même ressentir des odeurs pendant leur lecture. Le réseau de théories de l'esprit, placé dans les régions corticales de notre cerveau, correspond aux représentations que nous avons de l'esprit des autres. Lorsque je me mets à la place du super-héros de mon livre, je développe donc une représentation physique et morale de celui-ci. La plasticité du cerveau, qui lui permet de s'adapter, trier, traiter des informations,
développe des circuits dédiés à chaque activité. La lecture amplifie donc une aire visuelle des mots cachée dans la région du cortex occipito-temporal de l'hémisphère gauche et droit pour les gauchers. Ces circuits neuronaux permettant de déchiffrer l'écriture sont une seconde fonction développée par l'humanité après l'audition. La capacité d'écrire n'est pas inscrite dans nos gènes et passe par un apprentissage sur lequel nous sommes tous identiques à la base. Le mythe de l'apprentissage visuel ou et auditif tombe à l'eau devant les études scientifiques puisque chaque fonction se développe à la vitesse à laquelle elle est stimulée. La technique d'apprendre par cœur les mots pour enseigner le langage et l'écriture est totalement inadaptée et inefficace. Elle ne permet pas aux réseaux neuronaux de déchiffrer le codage des mots, aucun lien n'existe pour le cerveau, alors que l'écriture est bien l'invention d'une architecture élaborée et qui a du sens. Bien évidemment, la lecture est source de relâchement. Le docteur David Lewis, chercheur à l'université de Sussex, a conditionné les personnes en état de stress, puis a testé différents types de relaxation. La lecture arrive en premier avec 68% de taux de réduction du stress. Arrive ensuite la musique avec 61%, boire une tasse de café ou de thé avec 54% et marcher à 42%. Le docteur Lewis nous le confirme, lire est plus qu'une simple distraction, cela implique une participation active de l'imagination, les mots stimulent la créativité, modifiant l'état de conscience. Le temps s'arrête et cela débouche en à peine 6 minutes de lecture sur des bénéfices évidents pour la santé. Lorsque vous êtes concentré et absorbé par votre lecture, et comme le lobe frontal n'effectue qu'une tâche à la fois, votre cerveau est déconnecté de tout stress. La lecture est également une élévation à la compréhension du monde. L'imagerie cérébrale nous permet de voir que les réactions du cerveau pendant la lecture sont proches des réactions en situation réelle. Nous ressentons ce que vivent les personnages. Si par la lecture nous sommes capables de vivre l'expérience, alors nous sommes à même de nous retrouver dans l'action et de nous sentir en confiance. Par exemple, après la lecture de nombreux bouquins sur Paris, j'ai pu visiter la capitale française sans une carte. Ou encore, après la lecture d'une série de bandes dessinées sur l'arrêt du tabac, j'ai arrêté de fumer. Ces deux exemples montrent à quel point la lecture permet l'ouverture de nouveaux univers qui modifient la compréhension de notre environnement et modifient également les comportements individuels. De plus, la lecture enrichissant l'expression orale, elle alimente la qualité de cette compréhension du monde et des autres, de leurs émotions comme de leurs comportements. Une lecture correctement choisie permet de soigner certains maux de l'esprit, des traumatismes ou des dépressions. Incarner notre propre angoisse pour mieux la maîtriser, ou bien encore se bonifier en se laissant transporter, surmonter les contraintes que nous pensions infranchissables. Bref, la lecture ouvre nos imaginaires, nos perspectives d'action réelles, tout en développant notre empathie par la multitude de personnages que nous incarnons. Mieux comprendre l'autre et développer son empathie, n'est-ce pas là le défi demandé à l'humanité en ces temps critiques ? Pour terminer, de nombreuses études démontrent que l'entraînement cérébral que représente la lecture a un impact positif et retardateur sur les maladies dégénératives, telles qu'Alzheimer. Aussi, osons le voyage et le temps d'accorder à notre cerveau une bonne petite lecture. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente semaine à toutes et à tous. C'était Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était ? C'était un pur délire. J'ai trouvé ça quoi, Green, oui. Green, comment ? Oh, super Green. Aussi Green que ça peut être. Green, le plus sens, c'est pas possible. Green, tu vois, mais tu vois le Green, absolument. Green.